Bonjour, je m'appelle Alix Pinérez, je suis en terminale STMG avec l'enseignement spécifique gestion finance et l'option européenne à Notre-Dame du Grand Champ à Versailles. Je fais cette vidéo car je souhaiterais rejoindre le vivier de l'EDEC. Laissez-moi me présenter. I lived in three different countries. I was born in Lyon, then we moved to England for about 5 years in Sheffield, then we moved to Canada in Vancouver for 3 years, and then we finally got back to France. This experience developed my curiosity and opened my mind. I moved 9 times and I went in 9 different schools. It helped me learn English and it helped me get a sense of adaptation. I traveled a lot, especially in North America. I have great memories of American parks like Yellowstone, Death Valley, Antelope Canyon, Grand Canyon. I spent a few weeks in Alaska. I also discovered the west side of Canada. I went to Spain a couple of times, Portugal, Ireland, Germany. I always find that traveling is a real benefit. Je suis scout depuis 9 ans. L'année dernière, j'étais chef d'équipe de 7 filles allant de 12 à 17 ans. Cela m'a permis de gagner en maturité, de prendre des responsabilités, d'être autonome, d'organiser des week-ends et d'apprendre à gérer un budget et de développer mon sens du service. Le sport occupe une grande place dans ma vie. Je pratique le badminton depuis 6 ans en club Ernest. En club, je suis classée et je joue pour l'équipe 1 de mon club. En AS, j'ai été qualifiée pour les championnats de France en individuel en mars 2020. Ce sport m'apporte un équilibre, il me permet de me dépasser, de rebondir après un échec. Il me donne de la confiance et un esprit compétitif. Il m'aide à maîtriser mes émotions et c'est de là que vient ma devise « Never give up », ne jamais abandonner. Je serai ravie d'intégrer l'équipe de badminton de l'EDEC et de participer à son succès et je serai curieuse de découvrir le speedminton. Je fais partie des éco-délégués. Nous essayons de responsabiliser les jeunes sur des différents thèmes comme le gaspillage et les déchets plastiques. Et nous avons gagné le concours d'enjeux écologiques avec un projet de mise en place de moutons au sein de notre école. Merci de m'avoir écouté et j'espère à bientôt.